En fait, le projet de l'île de Nantes se distingue peut-être par rapport au projet des deux autres rives, qui a une histoire beaucoup plus longue. Et donc, dans ce sens-là, nous, Anemi et moi, nous ne sommes que des chenons dans une histoire qui perdure. Et donc, c'est important, je crois, d'essayer de, pour juste en introduction, de comprendre quelle est la différence de ce qu'on appelle avec la Samoa la deuxième phase de l'île de Nantes par rapport à la première. Et quelles sont les circonstances qui diffèrent? Et ça n'a rien à voir du tout avec une sorte d'appréciation, c'est juste d'essayer d'expliquer pourquoi les données sont différentes et sans doute les solutions aussi. Je crois que quand, disons, le duo Laurent Théry-Chemetoff, pour en parler, hein, sur les 10 premières années de l'île de Nantes, ont débuté, il faut dire que le vrai problème, c'était que les chantiers navals venaient de fermer et qu'il y avait un grand problème social dans la ville de Nantes qu'il fallait essayer de retourner à travers un grand projet, je dirais, urbanistique, mais aussi culturel. Et donc, ce qui a été fait, et que j'admire grandement, c'est vraiment réfléchir sur la réhabilitation, la rénovation, si vous voulez, de ce qui a existé quand il y avait une sorte de valeur patrimoniale, ou bien de la rénovation, c'est-à-dire de la démolition et de la restitution d'une autre pièce au moment où c'était moins le cas. D'une part, au niveau de l'architecture, d'autre part, un grand travail sur les espaces publics pour les rendre une signification nouvelle par rapport à cette idée de chantier, d'environnement industriel qui avait existé et qui devrait, d'une façon ou d'une autre, perdurer, mais dans une nouvelle mission culturelle. Bon, ça a amené quand même à une politique, il faut l'avouer, que je suis tenté d'appeler une politique des dents creuses. C'est-à-dire qu'on préserve la trame existante de la ville et que là où il y a des dents qui doivent être remplacées, on les échange et on rénove. Ça, c'est un premier point. L'autre point important, c'est que quand on regarde un peu l'île de Nantes, il y a... Bon, l'autre point, c'est sans doute une invention. L'invention de l'idée de l'île de Nantes. Un peu comme, soyons honnêtes, une sorte de marque, de trademark, pour faire que dans cet état de situation, de revirement social, économique et culturel surtout, l'île de Nantes devienne quelque chose... qu'on voudrait avoir, que quelque chose qui devienne d'une sorte d'importance, un souhait, une promesse, comme disait toujours Patrick Rimbert. Et c'est très important dans la vie d'une ville de créer une promesse. En même temps, quand on regarde ce qui a été fait dans les 10 ans, les 10 premières années, on voit que ça s'est surtout concentré dans une partie de l'île. La partie, disons, nord-ouest, la partie des chantiers, et une petite partie sur Vincent Gache et les fonderies. En fait, quand on regarde les anciennes cartes du 19e siècle, on voit très bien que c'est surtout là où il y avait les grandes implantations industrielles, avant. Et donc, cette idée de l'île de Nantes et cette association à une sorte de renouveau sur disons des sites industriels et leur intégration dans une nouvelle vision des sites urbains,
C'est quelque chose de très important, mais c'est en même temps quelque chose qui a privilégié une partie de l'île par rapport à l'autre. Et qui a en même temps, il faut le dire, créé l'idée de l'île, c'est-à-dire l'île comme quelque chose de différencié par rapport aux autres rives, à la ville, à Rosé et d'autres choses. Ce n'est pas du tout une critique, c'est une analyse. Analyse d'une façon de faire la vie. Et pourquoi est-ce que je commence avec ça? Parce que les dons sont différents maintenant. À cause du succès que la première phase de l'île de Nantes a eu. À cause de cette signification emblématique, il y a maintenant des ressources, des autres données qui se posent, des autres questions qui se posent. C'est-à-dire que, puisqu'il y a un attrait pour venir vivre dans l'île de Nantes, il y a aussi un marché potentiel pour des grands sites, des vastes terrains, par exemple au sud-ouest, qui n'ont pas été adressés dans la première phase, mais qui peuvent maintenant être adressés parce qu'il y a une demande qui a été générée. Ça, c'est une première différence. C'est-à-dire qu'on ne s'occupe plus des dents creuses, on doit s'occuper des grands territoires qui n'ont pas en avant été abordés et pour lesquels il faut inventer une trame urbaine parce qu'elle n'existe pas sur les lieux. Deuxième élément qui est différent, c'est que l'île, selon nous, n'est pas juste un territoire, c'est plusieurs quartiers. Et dans les plusieurs quartiers, il faut peut-être essayer de, pas simplement de s'investir dans une partie, mais d'essayer aussi de voir comment on peut améliorer Beaulieu, comment surtout on peut s'intéresser au faubourg comme un site moins privilégié qu'avant. Et donc, cette idée-là, que l'île n'est pas juste une île, mais en fait c'est sept quartiers, c'est quelque chose que nous, on a voulu introduire, pas seulement parce qu'on y croyait, mais parce qu'on y est plus ou moins contraint si on veut qu'on étend cette notion de l'île de Nantes elle-même. Et troisième élément très important, c'est que l'île n'est pas une île parce que, en fait, il y a les autres rives qui sont très proches. Et aussi ça, c'est une sorte de conclusion de ce qui a été fait auparavant. N'oubliez pas quand même que dans la première phase du projet de l'île de Nantes, il y a eu le palais de justice, Jean Nouvel, il y a eu le lycée international qui maintenant a été construit, il y a eu un nombre de grandes institutions importantes, culturelles, les nefs, enfin, les machines, etc., qui ont été transportées du centre-ville et qui ont aussi contribué au fait que l'île de Nantes est venue une sorte de réceptacle, de réservoir de grandes institutions à caractère central et que c'est donc une sorte de petite prolongation du centre-ville. Mais cette idée-là, ça veut aussi dire qu'il faut de plus en plus voir que l'île de Nantes est en relation avec les autres rives. Et que de cette façon-là, tout ce qui est liaison, transport public, franchissement, prend beaucoup plus d'importance que ne l'avait dans la première phase. Et voilà, ça veut dire que tous ces éléments-là sont des nouvelles considérations qui imposent que l'urbaniste doit absolument trouver une nouvelle logique, et vous verrez, c'est la logique de la figure paysagère, qui permette de faire trois choses.
d'être la trame pour les nouvelles exemptions, pour faire le lien avec les autres rives et pour faire le lien entre les différentes parties, les quartiers de l'île. Et je laisse le soin à Anemi de vous expliquer tout ça. Je souris parce qu'il est en train de faire mon PowerPoint sans image. Du coup, ça va peut-être revenir un peu, mais tant mieux, parce que comme ça ne sera pas un peu abstrait. Voilà, l'île de Nantes, d'abord, Marcel et moi, on n'est pas seuls. On est dans un groupement qui est constitué aussi avec mon agence UAPS, SCE, qui est un bureau d'études nantais. Et puis, on travaille aussi sur tout ce qui est environnement durable avec Franck Boutet. Cette image, je l'aime bien parce que l'île, malgré tout, ça fait quand même 5 km de long sur 1 km là au plus large. Et elle est difficile à prendre d'un seul coup. Et puis, ça montre que l'île est très différente où on est. Quand on est côté ouest, côté est et nord et sud au milieu. Déjà, ça, c'est quelque chose qui nous a surpris la première fois quand on a fait du vélo sur l'île pour pouvoir faire connaissance avec ce territoire. Dans le débat de la Loire aujourd'hui, c'est vrai, vous avez déjà pas mal retrouvé la Loire avec l'aménagement du parc du Grand Chantier, l'éléphant, le monde des carrousels, et vous avez vu qu'il y a du chantier, qu'on construit des logements que vous voyez sur la photo. L'île déjà a retrouvé la Loire et on peut y jouer, on peut y séjourner, on peut y faire plein de choses, on peut faire du vélo. Il y a l'art, il y a les manifestations artistiques, et puis il y a bien évidemment les manifestations culturelles avec le voyage à Nantes, entre autres en ce moment, après tout ce qu'il y a eu avant. Et du coup, déjà l'île, quelque part, elle est déjà connue pour les Nantais, pour les Français, et même à l'étranger, on commence à savoir où se trouve cette île. Mais comme disait Marcel, l'attractivité de l'île n'est pas simplement ça, mais c'est plein d'autres choses. Et cette photo montre déjà que sur cette île, on a démarré avec le palais de justice, il y a l'école d'architecture, il va y avoir très bientôt l'école des beaux-arts, le quartier de la création qui est déjà en train de se mettre en place. Du coup, l'île devient une vraie destination, non seulement pour des gens qui veulent y habiter, mais aussi pour des actifs. Et nous avons appelé ça, comme disait Marcel, c'est Marcel qui l'a trouvé le mot, le métacentre, c'est-à-dire le centre complémentaire à celui de la ville de Nantes. Ça ne veut pas dire qu'on est en train de dire que le centre-ville historique de Nantes n'existera plus, pas du tout. On est juste complémentaire. Parce que quand vous regardez ce petit croquis là-haut, vous voyez bien que finalement, le centre historique de la ville de Nantes est tout petit par rapport à son agglomération, et que l'île, avec son territoire, est très proche. Et vu qu'avant qu'on commençait avec les aménagements de Chemetoff, on a déjà mis le palais de justice, l'école d'architecture, l'école des beaux-arts, et n'oublions pas non plus le CHU, 270 000 m², ça nous oblige de réfléchir l'île autrement. Le métacentre n'est pas un nouveau concept que nous avons inventé. Nous avons juste observé ce qui se passe depuis l'histoire. Et depuis l'histoire, depuis le XXe siècle, on voit déjà que la première expansion de l'île était en cours avec l'Hôtel Dieu. Et la seconde, bien évidemment, l'axe historique était là, avec le chantier naval. Et qu'ensuite, plus tard, en 72, cette expansion de la ville va bien plus loin. On va commencer à construire sur Beaulieu. Et puis, on va avoir le site industriel qu'on a sur le sud-ouest. L'image ici montre également que finalement l'emplacement de l'Hôtel Dieu a fait en sorte qu'avec l'extension de la ville historique du XVIIIe siècle, avec l'instauration de la passerelle Schoelser et le palais de justice, on commence déjà à trouver ce lien ou cette extension du centre-ville historique sur le côté ouest de l'île. Et là vous voyez tous les éléments et le CHU en plus, va faire en sorte qu'on ne peut plus du tout réfléchir l'île comme une île,
mais qu'il faut qu'on insère l'île dans cette agglomération et qu'il faut qu'on réfléchisse au-delà de l'île. Ce diagramme montre que non seulement on a le quartier de la création autour de l'école d'architecture, le palais de justice, également le futur école des beaux-arts, on a le parc des chantiers, on aura le centre hospitalier universitaire, le CHU, et sans doute plein de programmes qui vont venir l'accompagner, mais nous avons aussi introduit, bizarrement le texte, il est un peu coupé, le parc métropolitain. Le parc métropolitain, il est sur la pointe ouest de l'île, parce que c'est la pointe la plus épaisse, et on voulait absolument qu'il y avait un cadre de vie à l'intérieur de cette épaisseur de l'île, et va basculer aussi un peu les échelles contre celui du CHU, et tout ce qu'on va construire tout autour. Et là, dans ce diagramme, on voit bien, finalement, que finalement, ce côté ouest de l'île est vraiment dans l'extension du centre-ville historique. Et c'est une chance pour vous, puisque ça vous permet de retrouver le bord de la Loire, le de transgresser et d'y être plus facilement. Là, vous voyez le côté qui n'est pas forcément toujours connu, l'insertion du CHU, qui se fait au bord de la Loire, qui se met en place quand même sur 10 hectares, hein, sur partiellement les emplacements des mines actuelles, et encore tout un territoire qui est celui des voies RFF sur lesquelles on va installer en majorité le Grand Parc, et puis les territoires industriels, et vous savez tous que ces industries, ils quittent au fur et à mesure l'île, et qu'on va venir développer des futurs quartiers, de manière à ce qu'on ne retrouve pas uniquement le bord de la Loire côté nord, mais qu'on puisse faire le tour, et qu'on puisse aussi réinstaurer une relation non seulement avec la Loire, mais avec Rézé. Et c'est pour cela que ces développements qu'on a, et je pense que vous êtes les premiers à avoir le plan du sud-ouest ce soir qu'on est en train de faire. C'est vraiment la preuve. On s'est rendu compte qu'on ne l'avait jamais montré en public et du coup, vous le voyez pour la première fois. Vous voyez comment le CHU est installé au bord de la Loire avec la continuité du quartier de la création au nord et comment on va venir installer des pièces à habiter dans un grand parc qui va permettre que les quais nord et les quais sud se rejoignent. Mais ce qui est le plus important, c'est pas qu'on considère ça comme un aménagement de ZAC tout seul, mais qu'on le regarde, qui fait 90 hectares, comme vous le voyez ici, mais qu'on le regarde surtout dans un aménagement bien plus large, parce qu'il n'y a pas que du développement sur l'île de Nantes, il y a aussi sur Permil-les-Îles et sur le Bas-Chantenay. Du coup, il ne s'agit pas que sur l'île qu'il va y avoir des nouveaux habitants et du travail, mais il s'agit de 20 000 à 25 000 nouveaux habitants sur 200 hectares quand on prend la totalité de tout ce qui est en train de se passer ici. Et on voit bien qu'il est très important qu'on travaille sur les liens et que, du coup, dans notre projet Île de Nantes, qu'il faut que systématiquement on définit l'île en fonction de ses abords et qu'on réfléchit avec ce qui se passe de l'autre côté. Pas du tout uniquement en programmation, pas du tout uniquement en qualité de matérialité des bords de la Loire, mais certainement aussi par rapport aux mobilités, ce qui est très important. La mobilité et aussi toutes les ambitions de la ville de Nantes dans le plan de déplacement urbain qui est à prévoir d'ici 2030, elle nous demande, vous, nous, déjà de changer d'attitude, de marcher, de prendre du vélo, de laisser moins sa voiture et de faire en sorte qu'on a une facilité de se déplacer de l'un à l'autre. Je pense que cet ordinateur a un problème d'image parce que tout est tordu, mais c'est pas grave. Du coup, tout est un peu plat, mais c'est pas grave. Ce qui est surtout important, si vous connaissez l'île aujourd'hui, vous avez tous été dans le ballet ou la chorégraphie des voitures lentes qui passent de Léon Bureau, qui font Prairie-au-Duc, Kay Wilson, pour prendre le pont des trois continents, d'accord ? Qui est hyper difficile en heure de pointe. Aujourd'hui, cette hiérarchisation des voiries avec notre métropole est en train de la changer. Ce qui est très important pour nous, c'est que nous allons introduire un axe nord-sud,
surtout pas un axe rapide, mais ce qu'on appelle un parkway, de manière à ce que tout le côté ouest de l'île puisse être un vrai quartier de vie autour d'un parc où la voiture est amadouée et où on va favoriser comment on marche et comment on prend son vélo pour aller dans son environnement proche. Je ne dis pas du tout que c'est toujours possible quand on travaille loin, mais en tout cas, dans l'ensemble de l'île, c'est ce qu'on veut. Mais il ne s'agit pas uniquement d'instaurer ces axes nord-sud comme celui de boulevard Général de Gaulle que vous connaissez. On va aussi avoir un nouvel axe très important du centre-ville par le fait qu'on n'aura plus les voies ferrées à terme sur le site et qu'on va faire une continuité du pont Aux-Dodines vers la rue des Marchandises. Et on est parfaitement dans la perspective même de Tereos, et on va pouvoir même mettre comme ça en valeur le patrimoine industriel de l'île qui était là. Mais il ne suffit pas non plus de relier les axes nord-sud, il est aussi important de pouvoir, comme on ne travaille pas uniquement sur le métacentre, mais on a une stratégie urbaine sur l'ensemble de l'île, il faut également qu'on arrive à trouver des axes est-ouest qui viennent relier l'ensemble de l'île et qui viennent faire en sorte qu'on puisse créer un réseau un peu plus différent qu'il existe aujourd'hui, mais qui est là pour structurer les voitures et aussi les déplacements. Juste pour vous expliquer, parce que des fois en urbanisme, on utilise des mots qui sont difficiles à comprendre, un parkway, qu'est-ce que c'est ? C'est juste une route qu'on va demander, on va peut-être dissocier les voiries, on va en tout cas dissocier le piéton, la voiture et le vélo, de manière à ce qu'on ralentisse la vitesse et de manière à ce que dans la séquence du parc, on a vraiment un aménagement paysager de l'infrastructure. Voilà. Ça permet aussi aux gens, quand ils traversent est-ouest, de ne pas traverser des grandes voiries, mais de traverser au fur et à mesure les infrastructures et qu'ils ont des paliers de repos suffisamment larges pour ne pas être stressés ou pressés à venir traverser ce parkway. Et ça, ce sont des anciennes images et des images par ailleurs. C'est quelque chose qui se fait énormément aux États-Unis. En travaillant en changeant le système de la traversée pont Inde-Bretagne et trois continents existants, et en travaillant sur la continuité d'une ligne de pont Inde-Bretagne et trois continents, ben, il va falloir qu'on travaille en dehors de l'île sur un franchissement. Parce que ce qu'on veut surtout éviter, on voit bien dans ce schéma de circulation à très grande échelle, c'est que l'île est un lieu de transit. C'est aussi un lieu où on dépose sa voiture et on prend le transport en commun. C'est-à-dire, c'est un peu une île qui reçoit pas mal de conditions qu'il ne le demande pas. Du coup, cette idée de transit par l'île, on va essayer de le régler en travaillant sur les franchissements en dehors de l'île, vers l'ouest, pour pouvoir justement arriver à ce schéma-là. Mais on ne va pas uniquement travailler sur la circulation de voitures, on va travailler bien évidemment sur le transport en commun. Bien évidemment, si on veut répondre au PDU de la ville de Nantes, il faut qu'on instaure les transports en commun. Et notre souhait, et vous connaissez, il y a déjà la ligne C5 qui part à la gare sud et qui va traverser le quartier Malakoff, qui prend le pont Tabarly et qui traverse en est-ouest déjà l'ensemble de l'île jusqu'au quai des Antilles qui reboucle. Et cette ligne, elle est dissociée pour la simple raison qu'aujourd'hui on ne peut pas avoir le bus en site propre et les voitures sur les mêmes axes, de là la raison qu'elle est dissociée. Mais cet aménagement va être complété dans le futur avec une ligne en transport en site propre juste sur boulevard Benoni-Goulin qu'on prolonge jusqu'au parkway de façon à ce qu'il y a avec une bifurcation nord et sud ce transport en commun en site propre de façon à ce qu'on a aussi une excellente accessibilité pour le CHU. Mais en réalité, ce schéma, ça marche pour l'île de Nantes, mais ça marche pour l'ensemble de l'agglomération parce que ça nous permet de créer des points d'échange entre des axes nord-sud déjà bien organisés par le transport en commun, par le busway et le tram, la ligne 2 et 4, mais d'avoir
des échanges Est-Ouest aussi, et de créer sur l'ensemble du territoire plus du tout un système d'étoiles, mais de vrais réseaux. Et on ne pense pas qu'aux voitures et aux transports en commun, mais comme on est belge et flamand et on aime faire du vélo, on trouvait qu'il fallait quand même profiter de l'extraordinarité de l'île, qu'elle est plate, et qu'il fallait faire du vélo. Voilà. Du coup, on a mis en place un plan de transport de vélo, comme un plan de métro presque, dans lequel on est en train de hiérarchiser les pistes cyclables. Et on a bien évidemment aujourd'hui un petit peu déjà la piste cyclable double direction sur Vincent Gage, parce que je me permets de dire quand même que le chronobus nous a permis de réaménager tous les espaces publics et de faire en sorte que c'était plus agréable. Et on traversera l'île aussi avec la piste cyclable le long du voie talus de SNCF pour avoir une route complètement sécurisée le long du talus et pour reprendre le pont vers Permille. Voilà la piste cyclable le long du lycée international, aménagée déjà, et la piste cyclable qui est liée à l'aménagement du chronobus sur Nizan, le square Nizan. Je me permets simplement de dire, faisant le chronobus, mettant cet espace-là, ça nous a permis de créer un grand espace public pour le faubourg qui n'existait pas avant. Il faut savoir qu'avant, cet espace était rempli de voitures. Ce que j'aimerais bien aussi vous dire, dans le groupement, on est pour le vélo, mais on est pour le respect entre les cyclistes et les piétons. Et nous souhaitons qu'il y ait un partage des fois de ces espaces-là et ne souhaitons pas du tout qu'il y ait que les couloirs de vélo qui font en sorte qu'ils tracent leur voie et qu'ils vont vite. On espère qu'on peut arriver, parce qu'on ne l'a pas vraiment, mais on espère qu'on peut arriver aussi à faire en sorte qu'il y a des moments où on accepte qu'il y a des piétons et qu'on peut avoir des vélos et des piétons ensemble qui partagent à des moments cet espace public. Comme disait Marcel, pour la conception et la stratégie ensemble de l'île, on a ce qu'on appelle la figure paysagère. Alors ça c'est un mot qui veut dire beaucoup de choses. Une figure paysagère, elle est dans ce plan, ce qu'on a appelé le plan des transformations. Pourquoi on a déjà appelé le plan des transformations? Parce qu'on transforme à long terme. On fait des opérations aujourd'hui et on est en train de regarder à très très long terme ce qu'on est en train de faire plus tard. C'est-à-dire, nous, on doit savoir travailler comment structurer l'île, mais non en définissant chaque centimètre carré et en laissant des ouvertures de changement de programme ou de changement que tout n'est pas figé dans un plan masse. Mais il faut qu'on donne quelques invariables. Et comme l'île, elle a besoin de se restructurer au niveau de sa circulation, au niveau de son transport en commun, on en a profité et de faire en sorte que, grâce à l'investissement qu'on doit faire sur les espaces publics par le transport en commun, on puisse l'accompagner avec un aménagement d'espaces publics en continu, de promenades, de la place pour le vélo, pour les gens, de squares, de jardins, et qu'on puisse, en fait, de cette façon-là, relier l'ensemble de l'île. Et on n'est pas du tout dans des connexions Est-Ouest, on est également dans des connexions Nord-Sud, et vous allez le voir quand je vais vous expliquer les projets à plus petite échelle qui sont liés aussi à retrouver la Loire. On est en fait, avant, quand on a démarré nos études, on est allé regarder toute l'évolution de l'île à travers l'histoire. Et là, vous avez une image de 1888, c'était l'île avant. Et sur cette île, on voit déjà les installations du chantier, on voit encore les prairies, on voit la structure de drainage, on comprend le côté ligérien, le côté plus minéral, et on voit différentes îles. À travers le temps, ces îles, pour des questions soit de sédimentation, soit on a comblé les bras de la Loire, on a compris finalement que l'île était plusieurs lieux, était plusieurs quartiers. Et à travers cette lecture de ces cartes, par exemple le boulevard Gustave Roch, c'est le comblement d'un ancien bras de la Loire. Voilà, et il est le talus
de la voie SNCF, elle est sur un ancien comblement de la Loire. C'est-à-dire, quand on regarde comment est fait aujourd'hui Lille, ben on a enfin compris pourquoi elle est si différente partout. On a enfin compris pourquoi on a un faubourg, pourquoi on a un chantier naval, pourquoi à Beaulieu c'est différent. Et on a compris que finalement Lille a 7 quartiers et que ces 7 quartiers, finalement, avec la figure paysagère, on devait les relier. C'est ça la raison de ces invariants, c'est-à-dire on veut toujours relier les 7 quartiers tout en respectant leur nature, leur contexte typologique, morphologique, mais en les reliant ensemble. Alors, la figure paysagère, d'abord, ce qui est très important, on veut qu'on continue à faire le pourtour de l'île à pied et en vélo. Du coup, le but, c'est le travail qui a été démarré avec Alexandre Chemetov, de continuer à faire en sorte que les berges soient agréables et qu'ils soient praticables pour tout le monde. On va, comme vous avez vu, on va indiquer, on va mettre en place des voiries nord-sud qui seront largement paysagées. On s'appuie, parce qu'on n'invente pas la figure paysagère, on s'appuie sur ce qui est déjà là, on s'appuie sur le boulevard historique Pré-Rieu-Duc pour le continuer jusqu'à Général de Gaulle, et on fait un axe est-ouest. On fait la même chose avec Gaétan-Rondeau, Benoni-Goulin, qu'on poursuit jusqu'à le Parkway. Le comblement de la Loire, Gustave Roch, on souhaite absolument amadouer la circulation. D'ailleurs, il y a une partie près des quais qui ne sera pas du tout accessible aux voitures. Et on veut réinstaurer un lieu de promenade. Et puis, on a également cette diagonale de la voie chemin de fer qui est accompagnée par la piste cyclable et qui fait aussi partie de cette figure paysagère. Si maintenant je le mets dans un contexte plus large, il faut comprendre qu'on s'insère dans une continuité d'espace vert qui est aussi au-delà de l'île. Les berges au niveau Rézé, la petite Amazonie. Du coup, cette figure paysagère, elle a aussi une fonction écosystémique parce qu'elle en part de l'objectif que tout le traitement des eaux de l'espace public est traité à l'intérieur de la figure paysagère. Comme elle sera largement paysagée et qu'on travaille avec le sève sur quelle plantation, à quel moment, il y a une biodiversité qui va s'installer. Et du coup, elle est aussi une figure dynamique en sens du terme de la biodiversité et de l'écosystème. Et là, vous comprenez maintenant mieux, si vous voyez l'île, pourquoi on a un côté plus légérien et pourquoi on a un côté beaucoup plus minéral, et qu'on peut dire que l'île, côté est et côté ouest, n'est pas le même. Côté est, ben on a le parc du Crapa, et on voit bien quand on va jusqu'au bout comment on est complètement dans la nature et dans un ailleurs. Quand on va côté ouest, le côté ouest déjà par sa nature de sol elle est plus minérale, et bien évidemment on a remonté les quais pour installer le chantier naval, et ce qui fait que c'est pour cela qu'on trouve ce paysage versus celui-ci. Voilà. Ça vous permet déjà de comprendre un tout petit peu comment l'île elle est constituée et pourquoi on la trouve dans cette situation telle qu'elle est aujourd'hui. Parce que c'est ça qui nous intéresse comme urbanistes, afin de pouvoir répondre justement sur ce qu'on va faire. Maintenant, comme on est sur comment retrouver dans un projet urbain la Loire, et on a 2 bras de la Loire, je vais vous expliquer comment un projet d'espace public, des berges, peut mettre en place non seulement un travail le long de la Loire, mais aussi un travail de pénétrante nord-sud, comment une opération immobilière, que ce soit pour des logements ou pour un CHU, peut changer les rapports à la Loire, et comment le sud-ouest, lui, pour nous, il va constituer un vrai nouveau rapport à la Loire. Pré-Rieu-Duc, je ne vais pas être très long, vous avez vu le chantier. Vous avez déjà l'école Émile César qui est en fonctionnement, et on a déjà quelques logements qui sont construits. Il s'agit d'un quartier de logements où nous souhaitons une grande mixité d'habitats, une grande mixité de typologies avec des logements de famille dans la continuité
du quartier de la créativité. Du coup, il y aura aussi des actifs qui vont travailler. C'est vraiment un quartier mixte, mais qui est bordé par le parc des chantiers et par le parc métropolitain, et qui, grâce à l'instauration du Parkway, n'aura pas beaucoup de circulation. Elle aura la circulation locale. Et ça nous permet deux choses. Construire un franc en face du franc du 18e quai de la Fosse, et introduire une nouvelle temporalité dans l'usage du parc des chantiers, et de faire en sorte que le parc des chantiers sera habité tout le temps. Et pas simplement pendant les vacances, le week-end et le mercredi après-midi, mais que le soir, la journée, tous les jours de l'année, il y a une construction qui se met en place, et des gens qui habitent. Et là, vous voyez des photos de chantier, et on voit déjà comment on peut habiter un espace public, et comment on peut peut-être, en travaillant plus loin, changer la tempéralité de ce lieu-là. Mais ce qui est aussi important dans cette opération, et je vais le montrer dans une carte plus loin, c'est que les traverses nord-sud sont piétonnes. Du coup, à travers cette opération-là, vous allez pouvoir aller vers le futur parc. Mais avant d'y arriver, je vous explique, parce que ça va vous intéresser, le projet des berges qui est en cours d'étude dans le faubourg, parce que bien évidemment, on veut continuer cette idée que les berges doivent être praticables. Aujourd'hui, sur Kerwis, vous savez tous que ce n'est pas toujours très praticable. Moi, je ne peux pas marcher sur le talus avec mes talons, il faut que je mets mes baskets. C'est pas toujours praticable parce que les personnes en mobilité réduite peuvent pas toujours y aller, ils peuvent pas. Des fois c'est inondé, et puis c'est pas aménagé, mais ça a beaucoup de cachets. On a un projet qui démarre au niveau du pont Eau de Mer, qui va jusque au-delà de Bardir Nantais, et qui prend mince, j'ai un trou de mémoire. Gaston Domergue, pardon, excusez-moi. Voilà, et qui va compléter ce qu'on a déjà sur l'île. Alors, pour vous souvenir de ce qu'on a sur l'île et sur la diversité de l'aménagement des quais, je vous montre quelques images. La pelouse des étudiants et de beaucoup de gens qui viennent le week-end, des étudiants de l'école d'archi en face de l'école, qui est merveilleux. On a les terrains au niveau du parc des chantiers avec la pelouse également, mais aussi les cales et les terrains de jeu. On a le quai des Antilles avec les anneaux de Buren qui vous amènent. Nous, on appelle le sud-ouest le Finistère, parce que c'est tellement génial d'avoir cette vue sur la confluence des deux bras et la grue. On a aussi le quai Wilson, que pas beaucoup de gens peut-être connaissent, mais qui est formidable et qui est un lieu qui est vraiment à travailler. Et puis plus loin, quand on vient vers Paul Senghor, sur Auguste Blanqui, le quai qui est déjà aménagé partiellement. Là, ce sont les deux quais sur lesquels on se plonge, Kerwis et puis Gaston Domergue. Gaston Domergue, c'est le seul endroit encore où on est près de l'eau. Et c'est le seul endroit qui est déjà un peu approprié par les taggeurs et par quelques personnes. Il n'y a pas toujours une bonne fréquentation, je le sais, mais en tout cas, c'est un lieu à travailler. Ce qui est très important, c'est Base Paysagiste qui a gagné le concours, parce qu'on a quand même consulté 5 grandes agences d'architecture. C'est la relation avec l'autre côté qu'il va falloir qu'on instaure dans un deuxième temps, et surtout quand le CHU va partir, il y a une autre face, parce qu'une fleuve a toujours deux côtés. Du coup, il va être important de considérer aussi l'idée que de l'autre côté, on va aussi avoir un rapport avec la Loire qui va être différent que les voies sur berge aujourd'hui. Et aujourd'hui, on a déjà une certaine appropriation du quai. Voilà, juste une image en face. Et l'équipe qu'on a choisie, on l'a choisie surtout parce qu'ils étaient très consciencieux du fait qu'il y avait un autre côté, qu'il y avait des cônes de vue d'en face,
qu'il y avait des lieux très particuliers au niveau de l'eau et du fait du réceptacle à cause du courant, pour pouvoir à ce moment-là complètement orienter leur projet des usages par rapport à ça. Et surtout, ils étaient extrêmement intéressés, quand on vient du faubourg et on arrive sur la Loire, quelles sont les perspectives et quelles sont les sortes de belvédères qu'on a à cet endroit-là. Voilà, une image de Quai Ruiz. Vous voyez qu'on maintient tout ce qui est au niveau des plantations, des arbres, et qu'on instaure juste des pentes en béton pour que les gens puissent sans problème se balader en bas du quai et pas uniquement en haut. Et puis, bien évidemment, la rue, tout ça sera réaménagé pour que les vélos puissent passer facilement et en haut et en bas, parce qu'il faut savoir qu'en bas, on peut avoir des inondations. Et puis en haut, le quai Gaston Domergue est un lieu plutôt pour faire plusieurs activités. Il va y avoir un belvédère construit, il va y avoir des jeux pour les adolescents, pour tout âge, mais tout ça, c'est en concertation avec les associations et avec les habitants de la ville de Nantes. Du coup, ça, c'est en cours, mais juste pour vous dire qu'il y aura encore, sur l'île de Nantes, d'autres lieux de partage ou d'appropriation possibles. Et ce projet de quai se termine dans un projet immobilier, parce que je pense que c'est important aussi, quand on travaille les sites sur l'île, et il y a le fameux site de Brossette, vous avez sans doute vu qu'on a démoli l'usine et qu'on a un énorme terrain en profondeur disponible, mais là aussi, on a fait un projet architectural tout en respectant les vues, les perspectives ça se voit ici, les vues dégagées et les idées de transparence qu'on peut avoir à travers ce terrain très long et très étroit à partir de Vincent Gache jusqu'à Gaston Domergue. Voilà. Et on voit aussi qu'il y a des espaces libres à l'intérieur de l'opération qui se connectent tout de suite sur les berges et qui sont dans la continuité du travail de base sur les berges qui vont jusqu'au pont Ododine. Je viens finalement, pour terminer rapidement, parce que c'est quand même intéressant, sur le quartier sud-ouest, parce que c'est là un grand territoire que nous devons développer pour d'ici 2030. Du coup, on est très loin. Et avec l'implantation du CHU. Pourquoi le CHU se trouve au bord de la Loire? Simplement parce qu'il est en relation très proche avec Saint-Jacques, qui continue à travailler avec le CHU. Aussi une question d'échelle. Quand vous voyez cette image-là, il était mieux pour nous d'implanter un bâtiment de 270 000 m² qui seront plusieurs bâtiments, je vous rassure, hein, ce n'est pas un grand ensemble, en face de la Loire, pour que les échelles soient mieux gérées entre la Loire et un grand bâtiment. Il était aussi pour nous important, et on l'a obtenu dans le concours, que quand on est derrière le CHU, qu'on puisse aussi voir la Loire et le traverser. Du coup, vous aurez un CHU traversable à pied pour tout le monde. Ce n'est pas du tout une rue intérieure du CHU, mais des rues qui permettent de traverser le terrain, ce que nous, on avait demandé au minimum nord-sud, mais également est-ouest. Voilà. Et pour dire que même le projet du CHU, à côté de la Loire, va faire en sorte qu'on découvrira aussi à cet endroit-là, d'une manière très simple et facile, le quai Wilson. Par rapport au aménagement du quartier futur, essentiellement résidentiel de ce côté-là, on a voulu respecter deux choses, le sol et les gabarits. Aujourd'hui, vous avez connu mieux que moi les usines qui sont très longues et très plates. Et on a voulu préserver ça pour deux raisons. On est côté sud et on veut préserver cette linéarité d'un premier plan de bâtiment plutôt en longueur et puis des points hauts en second plan. Non seulement pour se repérer à la plus grande échelle avec l'unité d'habitation de Rezé, la tour de Bretagne, etc., mais également pour que les gens qui habitent en profondeur du sud-ouest, qu'ils puissent, à travers quelques hauteurs, pas beaucoup, profiter des vues
lointaines et des vues plongeantes sur les rives de la Loire. Là, vous voyez les principes, comment c'est fait. On l'a appelé vraiment le Finistère parce qu'on veut absolument qu'on habite un parc et qu'on habite un parc qui, pour nous, démarre au parc des chantiers et qui va jusqu'au quai Wilson, qu'on a des pièces avec une circulation et un minimal, mais surtout avec la possibilité qu'à travers le quartier Prairie-au-Duc, on puisse à pied facilement traverser nord vers le sud. Et ce qui pour nous était extrêmement important dans la création de ce nouveau quartier d'habitat, c'est de maintenir ces vues extrêmement intéressantes le long de Quai Wilson, vers la grue, vers la confluence des deux bras, et surtout de maintenir une perspective diagonale de façon qu'on sait qu'on habite une île et qu'on est en contact avec les deux rives de l'île et qu'on respire à l'intérieur de cette île. Et on voit aussi sur cette image comment les quais Wilson va pénétrer à l'intérieur de ces habitations. Et surtout, parce que tel qu'il est aujourd'hui, il ne le sera plus du tout, parce que le quai Wilson ne sera pas circulable, parce qu'on a mis la circulation plutôt à l'intérieur des pièces. Et le quai Wilson, qu'on montre cette esquisse, est un grand vaste espace public pour le piéton et pour le vélo. Ce qui fait que là, le rapport à la Loire, comme sur le parc des chantiers, sera complet et sera, et on pourrait continuer la figure paysagère. Ce quai, il aura un caractère sans doute peut-être plus minéral tel qu'il est de l'autre côté, mais on trouve que c'est intéressant que la continuité de ce quai, avec la mémoire telle qu'il a été toujours, reste en face de la rive de l'autre côté, qui est bien plus végétale, et le quai va continuer et devenir de plus en plus domestiqué quand on va être derrière Théréos, tel que c'est aujourd'hui. Voilà, et avec cette esquisse qui est complètement déformée, le rêve de rapprocher les deux rives tout en respectant ce qui est comme qualité inhérente de l'autre côté de la rive et sur l'île de Nantes elle-même. Voilà. Alors on va démarrer par une question. Alors il y avait pas mal de questions qu'on avait envie de vous poser mais qui ont déjà eu leur réponse dans votre présentation. On voulait vous demander comment on pouvait habiter au bord du fleuve dans ces quartiers contemporains sur lesquels vous travaillez et aussi habiter au sens en effet de trouver un logement mais également habiter sur les quais par exemple. Quels usages projetez-vous notamment sur ce quai sud? Alors, on est très attentif. Vu notre culture, on vient du nord. Et dans le nord, on habite les rez-de-chaussée. On sait les habiter parce que culturellement, on est différent. Du coup, on n'est pas en train de dire que ce que nous, on sait faire, vous devez absolument le faire aussi. Mais il faut qu'on trouve des manières de pouvoir habiter un rez-de-chaussée. Déjà, le quai, il fait 50 mètres, des fois 60 mètres. On va quand même faire... L'idée qu'on a, c'est que la promenade vélo-piétonne, elle est au bord. Elle est le plus loin éloignée des logements. Après, on a tout un travail sur la transition espace public-espace privé, mais qu'on fait partout, qu'on fait aussi sur Prairie-au-Duc, quand vous êtes côté parc, parce qu'on amène, on a un aménagement paysager qui fait en sorte qu'il y a une transition et un espace tampon entre ce qui est le plus public et le plus privé. Après, on travaille en plus sur qu'est-ce que c'est un rez-de-chaussée dans un immeuble, et on travaille sur la hauteur du rez-de-chaussée, de manière à ce que le rez-de-chaussée peut être évolutif, que je peux légèrement rehausser l'habitat et qu'il n'est pas au niveau de l'espace public, mais 45 cm plus haut. Ça permet déjà de travailler sur comment habiter un rez-de-chaussée. Et quand on est au parc, parce que c'est vrai, quand vous allez, si vous habiterez au parc,
On est les pieds dans le parc, c'est-à-dire il n'y a pas de rue entre vous et le parc, côté sud. C'est-à-dire le parc vient contre vous. Mais on pense qu'on peut habiter avec la nature parce qu'on peut instaurer des espaces tampons, des espaces, parce que le parc il va gérer le recollement des eaux, des espaces qui gèrent l'eau et qui forment des transitions entre espace public et espace privé. Voilà. Je ne sais pas si ça suffit. C'était une première partie de ma double question. Alors, il faut que... Mais c'est vrai, du coup, sur cette bande que vous préservez là, de 50 mètres en bord de fleuve, quels usages vous projetez dessus? Alors, mais peut-être c'est un peu tôt, c'est-à-dire on aurait envie que vous nous racontiez le projet peut-être aussi précisément que ce que vous avez fait sur le Quai Ruiz voilà, et peut-être on n'est pas du tout encore à la programmation du quai, parce que nous il faut savoir que ce projet il est pour 2030. Je pense qu'après nous il y en aura d'autres qui vont prendre le relève comme nous on l'a fait pour Alexandre Chemetov, mais on travaille déjà l'idée qu'il n'y a pas de voiture, qu'il n'y a que vélo et vélo et piéton, il va y avoir sans doute des idées de ponctuation, mais il faut juste déjà savoir que le parc il va pénétrer jusque là. Du coup il y aura déjà des séquences dans le quai que vous avez ici. On a prévu pour l'instant dans l'idée un grand équipement. Du coup il y aura quelque chose avec le renforcement du hangar à bananes qui sera plus public, qu'on a quand même une distance et que... mais dire ce que ce sera sans doute fait en concertation avec les Nantais. Ce sera certainement pas nous qui vont le dire, et il va y avoir des paysagistes qui vont travailler dessus. Voilà. C'est trop tôt. Si je peux ajouter, parce que je crois un peu moins aux urbanistes qu'à Namy, je suis un peu plus vieux, et donc je crois qu'il y a des choses qui ne se règlent pas, mais qui sont d'une évidence. C'est-à-dire que ça, si on laisse 50, 60 mètres de profondeur, il n'y a aucun espace, à part le parc, mais le parc sera beaucoup plus végétal, et donc amène à d'autres utilisations, il n'y a aucun espace qui a cette dimension. C'est d'abord cette longueur, cette profondeur, et puis cette proximité de l'eau et de la confluence de cette énorme masse ouverture. Et donc, même si ce n'est pas programmé, et c'est ce qu'un ami a dit, c'est vrai, ce sera en concertation avec les gens, mais pas en leur demandant ce qu'ils font, mais en voyant l'utilisation que cet espace lui est donné. Et donc, c'est en fait l'espace des grands événements. C'est l'espace... je disais une fois... Si pour le sud-ouest, pour le Finistère, ce sera la grande place. C'est-à-dire que là où les gens viennent, font des manifestations, se rencontrent, et à la limite, il y a aussi les cirques, il y a les kermesses, il y a les bateaux qui s'amarrent, il ne faut pas oublier que ce sont des quais et que ça sert, hein, et donc, etc. Voilà. Mais on est plutôt de l'idée que la brutalité du quai... on l'aime bien. Et on est plutôt de l'idée que le temps montrera bien ce qui se passera. Je crois que la meilleure chose qu'on a pu faire et qui a été acceptée, c'est d'enlever les voitures. Voilà. Déjà, ça, c'est un grand atout qu'il n'y a pas de voiture. Et je pense que ça, déjà tout seul, ça va faire en sorte qu'on va se l'approprier différemment. Et la pire des choses, ce serait que ce soit plein de bars et de cafés, si vous comprenez. Non, parce qu'il y a tellement d'autres lieux qui se prêtent plus à ça. Et donc, dans ce sens-là, le fait qu'il y a une sorte d'ampleur et de solitude, c'est très important dans des villes. Très rapidement, vous avez évoqué finalement l'usage initial et premier du quai, c'est-à-dire la possibilité d'y accoster avec des bateaux. Est-ce que vous avez réfléchi à ce qui peut se passer au long de ce quai, du navibus, des croisières? Oui et non, c'est-à-dire qu'il faut préserver la possibilité. Mais bien, bon, je parle maintenant aussi un tout petit peu pour la Samoa qui s'est occupée de cette
idée de programmer tout ce qui pourrait être fluvial. Mais par exemple, il ne faut quand même pas oublier que de plus en plus dans les villes, on va dans, surtout par rapport au, tout ce qui est les services, les apports des marchandises et tout ça. Bon, on a un choix, c'est les camions qui entrent dans la ville, ou on peut le faire par bateau. Et ça s'appelle le barging. Et ça peut donner, à la limite, des petits entrepôts d'où les marchandises sont distribuées par après, en mobilette et d'autres choses. Donc, c'est quelque chose qu'il faut prévoir. Pourquoi pas, ici et là, une croisière, fluviale ou maritime, mais aussi, par exemple, des choses... Raconte notre rêve, voilà, la péniche. Voilà, notre rêve, c'est que à court terme, on a une péniche, mais pas une grande péniche, qui devienne aussi un bassin de natation flottant. Et que, pourquoi est-ce que je dis ça? Parce que c'est évident, ça se fait dans d'autres villes, ça a été très bien fait, ça peut devenir des comment est-ce qu'on dit ça pour patiner l'hiver quand patinoire l'hiver, etc. Mais l'idée, c'est sur, qu'est-ce qui est l'idée derrière? C'est que pour le moment, c'est bon, certains diraient une friche, certainement pas Gilles Clément, mais pour moi c'est un territoire d'espérance, d'espoir, un terrain vague qui n'est pas encore décidé et qui est intéressant pour ça. Et moi, c'est un des terrains que je préfère, d'ailleurs, avec les plantations spontanées qui se font. Il y a déjà quelque chose qui se réalise sans que nous, on intervienne. Voilà. Mais les gens ne le connaissent pas tellement. Ben, peut-être, s'ils vont nager l'été, ce sera une destination. Et ils découvriront au fur et à mesure que ça se construit quelque chose qui est en train de se construire. Voilà. Merci pour ce rêve. Et on va passer à des questions peut-être autour de la mobilité et du franchissement, si vous voulez bien. Alors moi j'en ai une première, parce que dans cette deuxième phase d'aménagement de l'île, apparaît quelque chose qui semblait totalement inimaginable dans la première, c'est-à-dire la création d'une troisième ligne de pont. Alors ma question, elle est, est-ce que cette troisième ligne de pont ne pourrait pas être un aspirateur à voiture? Je pense que ce n'est pas l'objet, mais vous allez sans doute expliquer. Et deuxièmement, j'ai aussi cette question, on parle de renforcer le pont Anne de Bretagne, de l'élargir, enfin il y a diverses hypothèses. Est-ce que demain ça ne pose pas la question de renforcer aussi le franchissement sud, d'autant que ce franchissement débouche sur le CHU et que ça risque d'être une entrée, je ne sais pas s'il faut dire naturelle, mais une entrée importante pour les usagers du CHU. Tu te permets ? En fait, d'abord sur la ligne de pont, il est clair que il y a une différence entre une traversée et une autoroute, si vous voulez. Il s'agit d'une voie urbaine, et pour la bonne raison, même si on voudrait faire autrement, ça n'aurait pas de sens. Parce que la rue Léon-Bureau est tellement étroite qu'on ne peut pas y passer avec plus que deux voitures, enfin une des deux côtés, dans les deux directions. Ça veut dire que faire, c'est même la logique même de la circulation, c'est que si on veut obtenir un débit, on ne peut pas avoir des points où ça bloque. Donc on ne peut pas aller avec plus de voitures ou plus de débit que sur le morceau qui est étroit. Donc ça nous rassure, si vous voulez. C'est une première chose. L'autre chose, c'est qu'il ne faut pas oublier, et dans ce cadre-là, ce dessin est un peu trompeur,
que ce système se rejoint à deux horizontales. Ouais. Excusez-moi. Donc, ce qu'on voit, c'est en fait que la ligne de pont dont vous parlez, en fait, elle se rejoint quand même au système des nouvelles voies qui vont est-ouest. Ça veut dire que quand on vient du sud, il n'y a pas simplement le mouvement juste pour continuer là, mais aussi de reprendre vers l'est. Donc, à ce moment-là, il y a déjà une sorte de division des flux. Ce qui est quand même important, c'est qu'une grande partie de cette circulation sera reprise par le nouveau lien de transport public sur site propre qu'on imagine. C'est-à-dire qu'il va reconnecter sur la ligne 1 pour passer sur le pont de Bretagne et qui va repasser au sud sur le pont des trois continents. Ça veut dire qu'une large partie de ce pont sera occupée par le transport public et qu'il ne restera pas vraiment... Il restera juste les deux directions possibles qui sont déjà ici pour la plupart. Donc, il ne faut pas exagérer, il ne faut certainement pas envisionner cette ligne de pont comme une sorte d'aspirateur à bagnole. Elle fait deux fois une voie, parce que le pont aussi des trois continents, avec un transport en commun, ne peut pas supporter plus. Puis, par rapport à l'accessibilité du CHU, elle n'est pas qu'accessible par là, le CHU. Puis il y a quand même une chose qu'il ne faut pas oublier, ce qu'Annemie a aussi dit, c'est que cette ligne de pont est une condition pour avoir beaucoup moins de bagnoles là-dedans. Si on veut créer une sorte de ville-nature où il y a une sorte d'autre relation avec les espaces publics, ça veut dire qu'il faut avoir, pas immédiatement, la voiture comme dans le suburbain pour aller au centre-ville. Il faut pouvoir avoir les vélos, etc. Et donc, l'idée, c'est quand même qu'on peut accéder, mais qu'il n'y a pas de relation directe qui traverse les nouveaux développements. Et puis, il y a une dernière chose qu'il ne faut pas oublier, c'est peut-être la grande échelle. C'est que, en fait, cette liaison-là, elle est accompagnée d'un autre franchissement. Et l'idée, bien sûr, c'est que cet autre franchissement qui sert à faire qu'il y a beaucoup moins de trafic qui entre dans le centre-ville, même sur la ligne des ponts, parce qu'elles vont traverser plus loin. Alors, c'était la question que je voulais poser juste derrière. Dans votre esprit, ce pont qui relie Trentenoux et Chantenay est prioritaire par rapport au renforcement du pont Anne de Bretagne. C'est-à-dire, il faudrait mieux avoir fait ce franchissement-là d'abord pour éviter justement la circulation de transit. C'est ce que vous voulez dire ? Oui et non. C'est-à-dire, tout va dépendre du moment et des possibilités. Mais bon, en tout cas, il est clair que la jonction Anne de Bretagne et Trois Continents ne peut pas se faire aussi longtemps qu'il y aura le faisceau ferroviaire. Et donc, l'autre, en théorie, pourrait se faire plus tôt, c'est vrai. Et le fait que ça existe pourrait aussi, par exemple, amadouer le trafic sur le quai de la Fosse et autres, c'est clair. Alors, puisque vous parlez du faisceau ferroviaire, il y a beaucoup d'internautes qui regrettent la disparition des équipements ferroviaires sur l'île, considérant que c'est d'une certaine manière irréversible et qu'on peut le regretter évidemment ultérieurement. Qu'est-ce que comment vous pouvez répondre à cette inquiétude ? Nous, on les enlève pas. C'est-à-dire, ce qu'on enlève, c'est la gare de rangement, ou comment est-ce qu'on s'appelle ? Triage. La gare de triage. Triage.
mais ce n'est pas vraiment un transport. Donc ce qui, la ligne qui vient du sud et qui, va, qui traverse l'île, c'est une ligne que nous, on voudrait, à la limite, si possible, employer comme transport urbain en lui donnant des arrêts plus fréquents, aussi sur l'île d'ailleurs, mais aussi à Permille, pour que ça devienne pas juste un passage, mais que ça pourrait servir. Donc là, c'est clair, oui, le triage, parce qu'on peut l'installer ailleurs, à Globletrot. Ok, merci. Élise. Pour rester sur la question des franchissements, il y a différents projets qui sont à l'étude. Est-ce qu'on pourrait avoir votre sentiment vis-à-vis des différentes possibilités qu'on a de construire ce franchissement, tunnel, pont ouvrant, comment on appelle ça, pont à transbordeur, et le dernier, téléphérique. Oui, enfin, tu me corriges si tu n'es pas d'accord. Par rapport au franchissement ouest, il y a profondément, on ne parle pas de téléphérique dans ce cas-là, on parle bien d'un franchissement voiture et bien sûr aussi mouvement d'eau. Il y a profondément deux possibilités, c'est la question du tunnel ou du pont. Il faut dire que ça nécessite vraiment une étude plus poussée pour arbitrer sur l'un ou sur l'autre. En même temps, il ne faut pas tomber, je crois, dans une situation de, si je peux me permettre, de facilité. C'est de dire on fait un tunnel parce qu'à ce moment-là, on n'a pas d'interruption par rapport au bateau. Quand on parle pont, il est clair que c'est un pont ouvrant. Parce qu'il est aussi important que la destination maritime de Nantes puisse être préservée, c'est-à-dire que les bateaux peuvent accoster, par exemple, au quai Wilson. Ça, c'est clair. Mais ça peut aussi être fait avec un pont. Et donc, il s'agit d'essayer de bien étudier différents éléments. Bon, le pont, je crois qu'il a, maintenant je parle peut-être pour moi-même, mais il ne faut pas oublier que le pont a toujours une signification, que les ponts dans les villes, ça a une présence, ça signifie la traversée ou la bordure, si vous voulez, dans un certain sens. Le tunnel, il n'est pas apparent. Ben, c'est quelque chose qu'on en fout sous la terre et on ne le voit pas. Donc, c'est pas ça. Il y a aussi la question de la pente. Une pente, surtout pour les camions, ne peut pas être exagérée, pas plus que 4%. Et donc, si un tunnel veut dire qu'il faut aller très profond, à ce moment-là, il faut une très très longue tranchée pour y accéder. Et la question, surtout, c'est si... il faut quand même dire que ça, ce tronçon, c'est utilisé pour rejoindre cette route de Permille à la route d'entrée qui est là. Et donc, quand vous allez sur place, vous verrez que ces bouts ne sont pas tellement longs. Et donc, il faut bien mesurer si, avec un tunnel, on y arrive. Parce que si ça sert pour faire un tunnel, il faut d'abord aller jusque-là pour retourner. Ce n'est pas évident, si vous comprenez. Donc, ce sont tous des choses qu'il faut un peu étudier, je trouve. Mais nous, on ne peut pas dire qu'est-ce qui est mieux. Mais ce n'est pas une option pour le moment, parce qu'on ne l'a pas étudié. On n'a pas les dossiers, du coup. Bien sûr, c'était pour ça que c'était juste recueillir votre sentiment. Ouais. Et par rapport au téléphérique, moi, personnellement, je trouve ça absolument surréaliste. Enfin, je ne vois pas le téléphérique dans les montagnes, oui, mais pas à Nantes. Quoi. C'est un gadget pour moi. Et le pont transbordeur, même si c'est un bel objet avec beaucoup d'attention,
Je ne suis pas convaincue de la boîte de nuit et des programmations là-haut pour faire fonctionner ce pont. Du coup, voilà, je pense que... Et dans le paysage, ça a quand même un énorme impact aussi. On peut soigner l'architecture et on peut... Et je respecte énormément les gens qui travaillent dessus et qui font tous ces efforts de pousser le projet. Mais je trouve que quand même, dans un paysage, c'est une énorme infrastructure qui n'est pas anodin. Et qui transporte en somme très peu, c'est ça le point, un nombre de traversées. Et puis, il y a peut-être quelque chose qu'il ne faut pas oublier, mais c'est à nouveau très personnel, c'est qu'on ne peut jamais refaire le passé. Je crois que non, le pont transbordeur, il a existé, c'était la gloire. Mais vous avez décidé, comme société, à un certain moment, de le détruire, de l'abolir. Bon, maintenant, il peut y avoir un sentiment de nostalgie, mais vous ne saurez jamais le refaire. Ce sera toujours autre chose. Et donc, à ce moment-là, on est dans une situation qu'il faut qu'on le mette en face d'autres solutions. Et qu'à ce moment-là, on décide, pour l'argent qu'il y a disponible, quelle est la meilleure solution, etc. C'est pas la même chose que de préserver. Hein. On parlait, par exemple, que le pont transbordeur serait pour Nantes ce que la tour Eiffel est, Paris, est pour Paris. Je l'ai entendu quelque part. Oui, mais imaginez-vous que demain, pour une raison ou une autre, la tour Eiffel soit détruite ou elle... Bon, je m'excuse. J'espère. Oui, non, enfin, espérons pas. Mais je veux dire, juste... Une... Alors, quel est le sens de la reconstruire, si vous comprenez? C'est pas la même chose, c'est pas la tour Eiffel. Ce sera un... Voilà. Faisons à ce moment-là une autre tour de notre temps, je dirais. Mais voilà. Si je peux me permettre, moi je trouve que ce serait vraiment bien plus sympa d'avoir un bac hein, qui fait la traversée. Je trouve ça plus cool hein, et plus agréable. Et à Rotterdam, quand vous voulez traverser la Meuse, vous avez le taxi boat. Et ça, c'est très agréable aussi. Vous payez un petit bateau speedboat qui fait très régulièrement les traversées. Et je pense que ça manque. Ça serait bien si on pouvait avoir une sorte de petit bateau qui fait le service plutôt public de transporter les gens rapidement d'une rive à l'autre. Voilà. Alors, une dernière question qui fait un peu écho à une image qu'on avait tout à l'heure où on situait l'île de Nantes et puis en rapport avec le Bas-Chantenay, en rapport avec Rozay-les-Îles. Et en fait, pour vous poser la question qu'on a posée aussi à vos collègues en charge de dessiner les projets sur ces territoires, de savoir comment se joue pour vous ce voisinage entre ces différents projets ou cette discussion, comment vous travaillez à une coordination entre ces différents projets. C'est un souhait. Comment nous allons travailler. Non, mais on peut blaguer, mais c'est bien sûr énormément important, parce que pour moi, je l'ai avancé à d'autres occasions, la Loire est un lien et ce n'est pas une séparation. Et donc, ça veut dire qu'il y a les deux rives. Et si on commence à... Il y a différents maîtres d'œuvre sur les différentes rives. Au moins, c'est très bien dans un certain sens parce que ça permet de fortifier la spécificité de ces territoires, de ces sous-territoires. Mais en même temps, il faut le faire en se réalisant à quoi ça sert, comment ils se rejoignent, quelle est l'unicité. Sinon, il y a un risque, et le risque, c'est que, à la limite, on veut les mêmes choses partout. C'est-à-dire, on a une patinoire, où est-ce qu'on la place? Au Bas-Chantenay, à Rozay, sur l'île, etc. Et les exploitants des patinoires, ils vont profiter de cette situation, je vous assure. Et donc,
C'est ça qu'il faut éviter. Et donc, il faut une concertation entre les urbanistes, mais menée, je dirais, en fait, par Madame le maire ou son délégué.